passation de service au ministère délégué à la sécurité. Nommé par décret présidentiel le 24 juillet dernier, le colonel Sidi Paré a été installé officiellement dans ses fonctions de ministre délégué chargé de la sécurité. C'était hier dans l'après-midi à Ouagadougou. La sécurisation des élections et la lutte contre le grand banditisme sont les priorités du nouveau ministre délégué chargé de la sécurité. Le colonel Paré dit vouloir ainsi aider les populations burkinabè à vivre dans la sécurité et dans la quiétude. Alassane Zéo et Abdoul Rasmane Ezongo. Voici des premiers mots, farouchement contre des mots, susceptibles d'entamer l'ambiance électorale en vue, l'intégrité territoriale et le climat sécuritaire tout court. Fort, clair et direct, ce message de Sidi Paré, dans ses attributs de ministre délégué à la sécurité, expose ici en détail les nombreux défis qui l'attendent, mais pas insurmontables. Le mandat qui m'est confié aujourd'hui est de poursuivre et relever plusieurs défis dont les principaux sont la sécurisation des élections à venir, la lutte contre le grand banditisme et l'insécurité urbaine, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la cybercriminalité. Nous n'avons pas beaucoup de temps et il va falloir, dans un laps de temps qui nous reste, mettre l'accent sur l'essentiel pour assurer une sécurisation optimum des échéances électorales et améliorer le sentiment de sécurité des Burkinabés. Précédemment en poste à la justice militaire, cet officier supérieur, nanti de compétences avérées, dosé avec un professionnalisme reconnu, Sidi Paré, nouveau ministre délégué à la sécurité, dit compter sur ses collaborateurs, agents et chaque Burkinabé, afin de contribuer au plan individuel et collectif, à l'élargissement des libertés et à l'accroissement surtout du sentiment de sécurité. Les populations n'en attendaient pas mieux.